Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur Excel. Et c'est donc on a un fichier Excel, ici le bon de commande, ici. Et ici on a des codes, code 1 jusqu'à code 10. Et ici les articles, et ici les fournisseurs, et ici les prix pour chaque article. Et ici la date, par exemple, date de réception pour chaque article. Donc ici, les bons de commande se répètent parfois, les codes la même chose, les articles et même les fournisseurs. Donc on veut ici, notre but c'est de trouver le prix minime pour un article ou la date minimum. C'est ça ce qu'on veut faire par exemple. Si on va prendre par exemple cet article, voilà, pour trouver donc la date minime, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc la formule égale si égale min si je vois la parenthèse, je veux deux parenthèses, on va voir pourquoi. Donc on va sélectionner dans un premier temps bon de commande. Ce bon de commande doit être égal à ceci, je ferme, je fais multiplier par, j'ouvre la parenthèse. Pour les codes, on va sélectionner la colonne des codes, est égal ce code, je ferme, j'ouvre, je multiplie par, j'ouvre l'autre parenthèse, et cette fois-ci pour les articles, égal à cet article, je ferme. Je multiplie, j'ouvre la parenthèse pour les fournisseurs, la même chose. Égal fournisseur. Je ferme la parenthèse, je fais point-virgule. Et je mets donc ici la date. OK, et je ferme. Première parenthèse, deuxième parenthèse. Je mets OK, il me donne ici 0. On va voir pourquoi. Je clique donc deux fois et je vais jusqu'à ici. Je mets le curseur avant égal. Et j'appuie sur CTRL SHIFT Entrée. Voilà, donc il me donne ceci. Donc je vais choisir c'est le même format. Voilà, donc si ici pour cet article 35, ici c'est 26. Voilà, donc ici pour cet article il y a le 26. Par exemple, il se répète ici. Si je veux pas, par exemple, prendre ceci, voilà, donc c'est le 10-4. Et même si je veux par exemple répéter tout ceci ici, par exemple répéter ici pour la date, donc c'est le 19-2. Voilà, donc il se répète, c'est le 19-2. Si je vais par exemple choisir ici, je mets comme ça, il change. Et donc c'est la même chose ici, ça c'est date minime. La même chose pour le prix minime. Donc je vais prendre prix minime, je vais donc choisir ceci et je vais prendre ici le prix minime égal, la même chose, égal min, j'ouvre la parenthèse, si, et j'ouvre deux parenthèses pour le bon de commande égal ceci. Je ferme, multiplie, j'ouvre parenthèse pour le code égal ceci. Je ferme, je multiplie, j'ouvre la parenthèse pour les articles, la même chose. Égal ceci. Je ferme, je multiplie par, j'ouvre la parenthèse pour le fournisseur, la même chose. Égal fournisseur. Je ferme, je mets point-virgule et je choisis la colonne des prix. Et je ferme par les deux parenthèses. Voilà, donc je vais mettre CTRL SHIFT Entrée pour qu'il me donne une formule matricielle. Et je clique sur F3 donc. Voilà, donc il me donne ici le prix minime. OK. Je fais comme ça. Voilà, donc je fais donc. Pour cet article, j'ai fait ici une mise forme conditionnelle pour
pour que je puisse trouver la date et le prix. Donc ici, le 21, le 31 pour ce, voilà. OK. À la prochaine.